Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo de 2019. Et justement, j'ai eu envie de commencer cette année 2019 avec une vidéo ultra fun. Une vidéo qui maintenant, ce concept vous fait vraiment kiffer. Vous aimez bien l'ambiance de ces vidéos-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose une nouvelle Mystery Wheel. Putain, et je suis en compagnie... Trop bien l'anglais. T'as vu, je suis un BG. Hein. Un vrai BG. Et aujourd'hui, donc comme la fois dernière, je suis en compagnie de Pingy. Comment tu vas? Ça va très bien. Mais après, il faut savoir que les prochains épisodes seront accompagnés de certains acolytes. Voilà, les prochaines seront différentes. Parce et d'alcooliques voilà. Aussi. Oui, c'est ça, c'est certain. On fera d'autres vidéos, enfin d'autres épisodes avec des thèmes prédéfinis. Il y aura un thème sportif que je vais élaborer très prochainement. Il y aura un thème spécial YouTuber, donc on fera ça avec d'autres YouTubers. Donc écoutez, on va démarrer. On a mis quelques gages un petit peu différents. On essaye à chaque fois d'innover. Donc il y a rapidement, suce l'orteil, prend le contrôle du Twitter de l'autre. Prends un œuf cru. Il y a une case qui s'appelle idem. Et ça, c'est quelqu'un sur Instagram qui m'a donné l'idée. La case idem, c'est tout simplement qu'en gros, si tu tombes là-dessus, tu fais le gage que celui d'avant a fait. Ah, il y en a un quand même qui est drôle et j'espère vraiment pas tomber dessus. C'est poste une photo ridicule sur Insta. Donc là, j'ai mis juste poste une photo sur Insta. Et donc voilà, je... Si c'est quand même qui tombe dessus, alors poste le maillot de bain que j'ai posté sur ma photo Instagram. Pour ceux qui ont été voir sur mon Instagram, vous savez de quel maillot de bain je parle. Pour les autres, j'espère de tout mon être qui tombera dessus pour que vous puissiez le voir. Je vous avoue que j'espère pas tomber sur cette case. Chifou. Un. Devant, faut qu'on le voit. Chifou. Un, deux, trois. Putain, pour une c'est fois. C'est toi qui commence. Putain, depuis l'année 2019, je suis ouais, venue. L'année 2019, elle est bonne pour moi. Donc, prends le contrôle de Twitter de l'autre. Donc, en gros, elle va pouvoir tweeter un truc bidon. Combien? Un seul truc? Un truc maintenant et un truc à la fin de la vidéo. Ah, un truc maintenant, t'as pas de batterie dans ton téléphone, monsieur. Non, je l'ai mis à charger, donc là, il devrait être chargé. Ok. Donc, je vais chercher mon téléphone qui était en train de charger, justement. J'aimerais énormément faire une vidéo... avec mon idole, et là je mentionne Donald Trump. Avec un cœur, avec un drapeau des USA. Voilà. Et je mets love. C'est parti. Putain. Pa, pa, pa. Mais et c'est l'année de la chatte, la date de moi, t'as une chatte monstrueuse. Non mais tout le temps. Passe, voilà, à toi. Putain, je l'énerve. Attention à notre petite roue, à la roue magique. La pété. Maquille-toi. Écoutez, elle va aller se maquiller. Enfin, je vais te ramener ce qu'il faut. Ah, je vais aller chercher. Donc elle va tout simplement se maquiller. Donc elle doit se faire une grosse barbe avec une petite moustache. Vous qui avez tendance à la trouver jolie, tout ça, bah je pense que votre jugement va changer. Ou si vous la trouvez belle. Là, il va falloir vous poser de grosses questions, les potes. Il va vraiment falloir vous poser de grosses questions. Je me fais une très belle moustache. Belle gosse. Je sais pas si ça va bien se voir, du coup, à la cam. Comme t'es assez lointaine, je ferai un petit zoom. Je la vois d'ici, regarde. J'ai une moustache, quoi. Ouais, elle a la moustache du turc. Grave, là, franchement. Oh, grave que... T'as fait chier, j'ai une dégaine de turc de ouf. Ça sent, là, tout de suite, on voit tout de suite que je suis turc. Ah, ouais. Je la fais bien grosse, là. Ça t'excite ou pas? Ouais, pas mal, ouais. Je te trouve tout de suite... Oh putain, je me vois dans le retour, là. Tu vois? Regarde. Regarde-moi. C'est alors, bon? Ouais, c'est bon, vas-y. Bah oui, c'est à toi. Ah, c'est pas que tu me parles en cuisine. Hein? Voilà, putain, bah là, je vais me venger, mais grave. Ah, quel plaisir. Ah, du coup, j'ai une quête d'homme. Je déteste quand je tombe là-dessus. J'ai une tête d'homme, du coup je dois frapper comme un homme ou quoi? Ouais, franchement, arrête, tranquille quand même. Fais tranquille, s'il te plaît, fais tranquille. Bébé. Ah, oh, j'étais pas prêt, je pensais vraiment pas que ça allait être ici, je pensais que ça allait être là. Ah, ça pique. Oh, c'est à toi. Oh putain. Et en fait, je pense que pour cette vidéo, elle a vraiment pas de chance. J'ai vraiment aucune chance. Cette année, elle m'a réussi pas. Ouais, je pense que tu t'es lavé les pieds? Hein? Bien sûr que non. Oh non, bébé, c'est... Ah, bien. L'intérêt, c'était que ça soit intéressant. Suce un orteil. Droite ou gauche? Gauche.
Allez. Ah bébé, j'imagine tous les microbes qu'il y a dessus. Allez. Arrête de bouger tes orteils, arrête de les bouger. Ils sont vivants. Ah, c'est dégueulasse quoi. Quoi, je vois pas ce qu'il y a de dégueulasse. Tu marches tout le temps pieds nus. Bah, hé. Moi, je préfère marcher pieds nus, effectivement. Ah, j'en ai acheté spécialement pour l'occasion. Frigo. Prends un œuf cru. Ah bah franchement, si tu vomis pas, je ne comprends pas, bébé. Apparemment, c'est immonde. Hein. Bébé, c'est de la protéine. Tu sais, tous les sportifs passent par là un jour. Hein. Ah ouais, c'est une bouteille d'eau. Ah, j'ai envie de vomir, rien que regarder la scène, sérieux. Bébé, bois pas d'un coup, putain. Je peux pas, le jaune il me fait peur. Mais non, justement le jaune c'est bien, c'est des lipides, des glucides, tout, vas-y, prends d'un coup. Mais prends d'un coup, bébé. Impossible de faire Fear Factor avec ce mec, c'est impossible. C'est pas de la mauvaise foi, j'ai failli dégueuler. On t'a entendu, t'inquiète, je pense qu'on t'a entendu, hein. Je suis pas sûr. Ah, c'était. Hey, c'est immonde. Un œuf cru, c'est immonde. Ah, tu l'as même pas pris en bouche. Hein? Tu l'as même pas pris en bouche. Ah non, mais si, je te jure que j'ai commencé à la faire rentrer. Dès que j'ai commencé à l'avoir au fond de la gorge, ça m'a. Ah, j'ai eu un haut le cœur. Ah, c'était immonde. Immonde. Bon? Joker, c'est quoi ça? Joker, ça veut dire que je peux te donner ce que je veux dans la... Non, c'est moi qui peux te donner. Bah non, c'est habituellement, le gage, c'est pour celui ah qui ouais, tourne. D'accord. Donc ça veut dire que c'est à moi. Je vais te donner... Prends une cuillère de moutarde. Je pense que je vais donner ça. Je prends une cuillère de moutarde, ouais. Je ne supporte pas... C'est bizarre de pas aimer boire chez les gens, parce que moi je ne prends pas ces trucs-là, mais je sais qu'il y a plein de gens qui réutilisent ces verres-là, genre pour des verres à eau. Ah ouais. Je supporte pas ces verres-là. Bon. Ah, t'as pas fait le... Non mais t'es vraiment grave. Quoi? C'est quoi cette cuillère de bâtard là? C'est pas une cuillère là? C'est quoi alors? Bah, c'est le pot là, t'as mis le pot sur la cuillère. Arrête, pour toi c'est que dalle, tu prends du piment habituellement, là ça va te faire. Non mais franchement, depuis ce matin je suis un peu patrac. Ballonné. Patrick. Pas mal. Allez, pas mal. Vas-y. Allez. 3, 2, 1, vive la France, bonne année, bonne santé, et voilà. C'était The Kerry qui avait fait ça, genre quand il mangeait son burger dans la vidéo, genre prendre des burgers à Los Angeles. Ouais, Vegas, ouais. Pas goûter. 1, 2, 3, let's go. Vive les USA, vive les Américains. Easy, quoi. Tu préfères ça ou un piment? Ouf. Putain. Hein? En fait, c'est... T'as une montée. Ouais. Là, la montée, elle est là. Et ça va. En fait, c'est plus dégueulasse qu'autre chose, là. Ah ouais. À toi de tourner. Là, je me rends compte que cette... la mystery... Elle est déjà cassée. Un peu, ouais. Donc, là, c'est un... Je dois appeler un ami et, en fait, lui avouer que je suis gay. Ba-da-ba-ba-ba. Bon, tout pété, en plus. Ah oh. En plus, il t'a envoyé son urine ce matin. Ouais, c'est enfoiré. Vas-y, au parleur. Ouais. C'est soit sérieux, un peu. Dis que t'aimes bien un peu les relations. T'inquiète. Allo, Hicham ? Ouais, mec. Ça va ou quoi ? Et toi ? Ouais, ça va. Tu dormais ? Non. Ah, parce que j'avais un truc à te dire, c'est assez important. Vas-y. Tu vois, quand on est à la salle et tout, que je te vois en train de travailler. Tu vois, souvent, tu fais des efforts et t'as une posture qui me laisse vraiment pas indifférent. Je te vois cambrer comme ça, le dos, et franchement, je m'imagine tellement de choses. Je m'imagine, moi, derrière toi, en train de te tenir les hanches et tout, et faire du va-et-vient. Et franchement, ça... Vas-y, je te l'avoue, ça m'excite, quoi. Ouais, ça y est, tu m'avais dévoilé il y a longtemps en fait. Ouais, il y a un petit bout de temps quand même, ouais. Ouais, c'est quoi l'indice fort qui a fait que t'avais des doutes sur ma sexualité?
pensais vraiment que j'étais discret, mais maintenant je vois que je suis quand même pas mal dévoilé. Donc j'espère que ça changera rien à notre amitié et que tu continueras de venir t'entraîner avec moi, même si même si tu vois que je regarde ton entrejambe avec beaucoup d'envie et que des fois j'ai tendance à avoir des gestes un petit peu déplacés. Ouais, non, mais y a aucun souci, je vois bien quand on fait les... Tu sais, quand on se baisse là avec la barre, là, que tu me dis, attends, je vais t'aider... Les squats, quand je me place derrière toi, quand on fait les squats. Ouais, voilà. Ouais. Je vois bien que des fois, c'est un peu ambigu, quoi. Ouais. Mais non, t'inquiète, mec, y a pas de souci. Bah écoute, je te dis à bientôt et j'espère qu'il y aura pas de froid entre nous. Non, y a aucun problème, mec. Allez. Pas de souci, ça changera. Allez, pas de souci. Allez, salut, mec. Il savait que c'était un troll, c'était pas possible. En fait, il faut savoir une chose, c'est que Hicham, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Et en fait, très souvent, on s'amuse à s'envoyer des conneries. Enfin, regardez, je vous mens pas. Regardez, ce matin, en fait, j'avais besoin de lui pour filmer une vidéo. Et ce matin, je lui dis, mec, t'es debout et tout. Il m'envoie une photo de lui, genre, en gros, il vient de se réveiller. Regardez la photo, enfin, on va peut-être pas voir. En gros, il vient de se réveiller. Et je lui dis, ouais, espèce d'enfoiré, t'es un mytho, envoie-moi ton érection du matin pour être sûr que tu viens juste de te réveiller. Et il m'a dit, on voit peut-être pas, mais il s'est filmé en train de pisser, il m'a dit, voilà mon urine du matin, senteur Kellogg's. En gros, lui et moi, on a toujours été un petit peu dans la déconne, et c'est pour ça que là, pour vous, il a joué le jeu à mort en mode, après, je pense qu'il se doute que c'est pour une vidéo, il sait que j'ai l'habitude de faire ce genre de conneries, donc voilà. En tout cas, j'ai essayé de rester sérieux, d'être le plus malaisant possible, et je pense que, pour le coup, je pense que j'ai rempli mon contrat. C'est parti, casse le truc. Il commence à faire le même bruit que la dernière fois. Oh là, Joker, encore. Super. Bon, alors, qu'est-ce que je vais choisir? J'en ai ras le bol de tomber sur ce truc de mort. C'est toi qui as décidé de mettre ça ou c'était un abonné qui avait dit de mettre Joker? Hein? C'était toi qui avais décidé Joker. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas te prendre une claque. Oh. Elle va se prendre une petite claque. Bon, je suis une dame. Ouais, t'es toujours une dame. Oui, s'il te plaît. Non. Tu viens près de moi. Je te tiens pas. Oh oui, mais... Vas-y, avance. Regarde comment j'ai été hyper gentil. Non, t'as été hyper gentil parce que tu t'es fail. Non, ton œuf, je t'ai pas dit de reprendre autre chose. Rapproche-toi aussi, si je te dis. Hé, tu fais attention à mon nez, s'il te plaît, j'ai coûté payer 2500 euros. Rapproche-toi. Est-ce qu'on voit bien? Attends, on va peut-être mettre ça plus en arrière. Je te tends bien ma joue bien comme il faut. C'est bon là? Elle est bien tendue. Vas-y, je fais attention. Regarde, je rentre là. Je sais pas comment je fais. Voilà. C'est bon? Ferme les yeux. Ça arrive maintenant. Arrête de faire ça, putain! Vas-y, c'est horrible! Je sens le vent sur mon visage. Vas-y. Aïe! Non, ça va. Oh, franchement, ça va. Ça siffle encore. Non, arrête. Franchement, ça va. La dernière fois, j'ai fait quand même plus fort. Allez, à toi. Non, c'est à moi. Alors, de base, j'aurais dit, prends une claque. Je sais pas pourquoi cette case, elle arrête pas de tomber d'ailleurs, c'est trop bizarre. Ouais. De base, j'aurais dit, prends une claque, mais là, laisse-moi regarder. J'hésite entre deux. J'hésite entre tape un shot, sachant qu'on est tôt dans la journée, et poste une photo sur Insta. Et je pense que je vais prendre, poste une photo sur Instagram, non. Donc tu vas devoir mettre mon superbe maillot de bain de Dragon Ball Z. Je l'ai été le chercher tout à l'heure, regardez, il est là. Mais moi, ça va faire horrible. Je sais même pas si tu rentres dedans. Je sais pas, on verra. De toute façon. C'est vachement extensible comme ouais. Truc. Donc écoutez, si vous voulez aller voir la photo de Monsieur Levé 12 en maillot de bain, je vous invite à aller le follow sur Instagram. Ouais, donc l'Insta, c'est Monsieur Levé 12, tiré du bas, Karim. Donc allez voir la honte. La honte en image. Vraiment, ce sera vraiment la photo de la honte. Hein. Bon bah voilà, cette vidéo se termine. Je suis passé à côté de pas mal de gages que j'aurais pu, redouter, comme par exemple les bandes de cire froide. Franchement, déjà la dernière fois, je me suis fait épiler une partie de ma jambe. D'ailleurs, ça ne l'a toujours pas repoussé, pour être honnête. Et très honnêtement, ouais, je... Je trouve que je m'en tire bien. Ouais. J'ai eu un pass. Ouais, l'œuf, par contre, ça a été horrible. Franchement. Moi, je n'aurais pas pu. Hein. Moi, franchement, et les gars, filmez-vous
en train d'essayer d'avaler un œuf comme ça et envoyez-moi la vidéo pour voir si, si j'ai vraiment été une petite bite ou si... Il y a des mecs qui prennent des œufs comme ça crus le matin. Ah, franchement, j'ai un grand respect pour eux. J'ai un vrai grand respect pour eux. Et sur ce, je vous dis sûrement à demain pour une autre vidéo. Je vais essayer de redevenir actif. On a été particulièrement malade ces derniers jours. C'est pour ça que aussi bien Pingy que moi, on n'a rien proposé sur nos chaînes parce qu'on vraiment, ça ne servait à rien d'avoir le nez qui coule tous les deux secondes, la voix... C'est pas mal, là, déjà. Ouais, la voix tout arrachée et tout. Donc, voilà. On va reprendre les vidéos, j'espère que vous serez nombreux à regarder et sur ce, je vous dis une nouvelle fois, bonne année, bonne santé à vous, j'espère que l'année 2019 vous portera chance et que tous vos projets seront menés à bien. Sur ce, plein de bisous et on vous dit à la prochaine, salut tout le monde. Ton outro a été tellement longue, salut tout le monde, comme t'as le mot aussi long que t'as mis.